2, tourne le numéro, c'est le début du mois de juillet, c'est bientôt le 14 juillet et c'est le moment de guincher. Ça tombe bien, je vais vous faire travailler le morceau d'un accordéoniste, monsieur Joe Priva. C'est vraiment un héritier du jazz musette qui a eu sa carrière entre les années 50 jusqu'à les années 70-80. Et alors pourquoi un accordéoniste? Parce que son guitariste s'appelle Matelot Ferret. Pour ceux qui ne savent pas, Matelot Ferret, ça a été un disciple de Django Reinhardt, il l'a même accompagné. Et il a vraiment perpétué l'héritage qu'avait démarré Django. Et ils ont fait un disque qui est ensemble, qui a été assez... Donc Joe Priva et Matelot Ferret, qui s'appelle Manouche Party, le bien nommé. Et donc le morceau qu'on va vous jouer aujourd'hui, que je vous propose, ça s'appelle Rythme Gitan. Donc vous avez pu le remarquer, c'est un morceau harmoniquement très simple. Donc on est sur le A, il y a deux accords. Alors là, je vous les fais en barré pour que tout le monde comprenne. Sol mineur, sans enrichissement. Ré 7, sans enrichissement. Deux accords. Alors, si vous avez remarqué, moi je joue pas les barrés en fait. Je fais une basse au pouce sur la corde de mi. Autrement, c'est exactement le même doigté. Moi je trouve ça plus confort, plus tranquille. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui tirent la langue quand je leur demande de faire des accords avec le pouce. C'est un petit cap à passer, c'est pas si difficile que ça, et surtout ça vous facilite grandement la tâche une fois que vous allez l'acquérir. Je continue. Donc, sol mineur, ré 7, sol mineur, ré 7. Et je crois que j'ai fait une grille aussi en choisissant ces positions d'accord. Toujours avec la basse au pouce, donc en troisième case. Sol mineur, mais j'ai rajouté une sixième. Donc, le pouce, 2, 3, 1, 4. Et puis, j'ai fait ré 7. Après, avec une neuvième. Alors certains d'entre vous vont s'offusquer, il ne faut pas. Je mets une neuvième dans un contexte mineur, ce qui n'est pas juste. Mais en fait, en jazz manouche, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Et c'est tellement courant qu'en fait, ça fait partie, non pas de l'histoire, mais du son. Et une erreur qui se répète, ça devient plus une erreur, en fait. Donc voilà. Le B, mi bémol, alors j'ai opté pour deux positions, la première, je crois que le premier B, j'ai dû le jouer 6-9, et le deuxième B, je crois que je l'ai joué sans enregistrement, ce qui marche très bien aussi, je pense qu'ils font pas d'enregistrement en fait dans l'enregistrement. Ré mineur, ce qui est un petit peu surprenant, parce que du coup on sort de la tonalité de sol mineur, do mineur, quatrième degré de sol mineur, on est dedans. Ré 7, accord de 5e degré qui nous permet de relancer le premier degré, donc de revenir sur nos pattes. Hein. Sol mineur. A, A, B, A.
tout classique, un tempo assez médium. Je voulais jouer un tout petit peu en dessous de la version du disque pour que ça soit abordable par tout le monde. Donc le thème, j'ai choisi ce morceau-là parce que déjà je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'esprit qui dégage, donc surtout je vous conseille de vous référer à l'enregistrement original, d'écouter Manouche Party d'ailleurs en entier, il en vaut largement la peine cet album. Décortiquons un petit peu ce thème. Ok, donc ici on est en sol mineur, bien sûr. Puis après, vous allez reconnaître un arpège de Do mineur 6 qui est dans Sol mineur en fait, puisque c'est le quatrième degré. Voilà, donc rien de compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille de soigner juste un petit détail, c'est ce fameux triolet. Donc en fait, je joue, on a des croches, un débit de croche, et puis d'un coup, j'ai trois notes à la place de deux. Trois notes pour un temps. Trois notes pour deux croches. Bon, bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le médiator. On est aller-retour, en fait, quand on joue des croches, sur la même corde, dans tous les cas. Et en fait, vous n'allez pas accélérer le débit de la main droite. C'est ça, vraiment, le secret. C'est-à-dire que vous jouez deux notes sur trois, la première et la troisième. Excuse-moi. Première note, allez jouer au médiator en aller. La deuxième est frappée. Et c'est la troisième qui est jouée en retour. Donc votre débit de croche, il est comme ça, par exemple. J'accélère pas la main droite, par contre, mon débit accélère. Et ça, c'est vraiment quelque chose à acquérir. Je continue. Donc là, on est plutôt... si je voulais décortiquer l'histoire, ce serait plutôt du... Fa dièse diminué, c'est-à-dire Ré 7, en fait. Comprenez ça, qu'on est toujours dans Sol mineur, plutôt Sol mineur harmonique, en fait. Donc. Voilà, alors je viens chercher cette petite note ici. Vous avez vu, le Do dièse Ré. Do dièse qui n'est pas dans la tonalité, c'est une note un petit peu bluesy. Je fais des petites ponctuations entre chaque A. Ça, c'est un peu au bonheur, pas au bonheur la chance, mais c'est un peu suivant l'inspiration. Je vous conseille autre chose pour le thème. Il est relativement simple, par exemple A. Essayez de le transposer. Là, j'ai pris la première note sur la corde de Sol, par exemple. On peut le jouer ici, première note sur la corde de Si. On va se retrouver à la troisième case. Etc. Ok, on attaque le B. Alors, la phrase de... Bon, voilà, après, sur le B, j'ai pas grand-chose à dire, parce que c'est très simple, c'est assez limpide. J'ai pas... La dernière phrase du B, j'ai pas fait celle qui est jouée sur l'album, j'ai fait un petit mix à moi. Et donc, on passe de Do mineur à Ré 7. Donc, on a un thème abordable par tout à chacun. Donc ça, bravo. Et puis, il y en a certains qui ont un peu plus faim, je vois ça derrière votre écran. Donc, je vous ai transcrit le solo de Matelot Ferré. Avec toute, il y a des phrases un peu sorties de l'espace, telles qu'il était capable de les faire. On va parcourir ça assez rapidement, vous avez la partition de toute façon. Attaquons. Bon, là, on est dans Sol mineur, rien à dire de particulier. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'histoire des triolets à soigner absolument. Alors là, vous voyez, qui tourne autour du La bémol,
donc quatrième cas sur la corde de mi grave, ce qui est une note qui dissonne un petit peu. Et en fait, la bémol, il le comprend comme le triton de ré 7. Voilà, ce qui est un truc intéressant. Oui, il fait carrément. Carrément le power chord, quoi. Alors là, ça commence à se compliquer un petit peu, surtout rythmiquement en fait, quoi, au point de vue de la vélocité aussi, mais rythmiquement c'est vraiment à soigner. Donc je recommence cette phrase, vous l'avez écrite, donc 1, 2, 3, 4, après le temps. Là vous voyez par exemple qu'il joue les mêmes notes mais avec un débit différent. La phrase qui suit, si vous vous reportez à l'enregistrement, c'est pas irréprochable, c'est pas super propre. Matelot, c'était vraiment un guitariste de cabaret. Il faisait les cabarets russes, une grosse culture de la musique russe et de la musique jazz, mais vraiment le jazz manouche dans le sens le plus traditionnel de l'histoire. Bref. Par contre, on a commencé à avoir une phrase qui commence à aller vite. Bon, moi j'ai utilisé ce doigté-là, c'est celui que je trouvais le plus simple pour moi. À vous, si vous voulez changer de doigté à votre guise. Et ici, voilà, on a ré 7. Je joue avec une 9e bémol, c'est pas pour rien, c'est parce que dessus, on va jouer un truc super classique qu'on retrouve en musique digane, mais surtout en manouche, c'est l'utilisation des diminués sur les accords 7. Alors, c'est un truc qu'on a déjà vu moult fois, plus ou moins en détail. Je vous fais la petite règle vite fait. Tout accord 7e peut être substitué par un accord diminué non attiré qui est situé un demi-ton au-dessus. C'est-à-dire que sur ré 7, je peux jouer mi bémol diminué. Mais comme c'est que des empilements de tierces mineures, je peux jouer do diminué, etc. Donc ici, je commence par... J'entoure la note de ré, bon ça c'est juste une approche, et après je fais... Il n'y a pas le ré. Je commence à fa dièse là, et là, j'ai mon arpège diminué. Alors ça c'est pas évident à faire parce qu'il garde le débit juste sur deux notes, do dièse ré, hein, et il vient faire sonner de manière très franche le sol à l'aigu. Ok, on attaque le B. Il fait une entour l'accord. Oui, ça c'est très très typique du style aussi. Ça c'est moins évident à faire sonner comme il le fait sonner. En fait, c'est le matériel harmonique est très simple. C'est une triade, en fait, vous voyez, si je joue ré majeur, comme ça. En fait, c'est ré à partir de la tierce. Et je le monte de demi-ton en demi-ton. Alors, je sais pas s'il fait ce doigté-là ou s'il démanche le premier doigt, ça. Je sais pas si quelqu'un a la réponse. Donc là, je viens de vous jouer le dernier. Rien de compliqué. La fin, par contre, il y a une petite subtilité rythmique qui est assez... je vous conseille de tendre l'oreille. C'est là. Ok, et puis il y a encore... un dernier détail, après je vous laisse tranquille. Ça c'est un trait typique aussi du style. Je joue trois notes pour deux, mais je les joue pas de la même façon que les triolets dont je vous ai parlé tout à l'heure.
En fait, on démarre sur un temps faible. Je démarre en retour. C'est très rapide. Donc là, je fais un pull-off entre Fa et Mi bémol. Et j'atterris en aller sur le Ré. Triolet. Ah, vous voyez là, ici, c'est super intéressant. Il y a plein de fioritures, elles y sont toutes quasiment. Voilà, ça on l'a vu. Ici, c'est un glissé. Et... ça, c'est une trille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur rythmique, c'est juste un habillage. Voilà, de quoi faire. Si vous écoutez le morceau, vous entendrez qu'il y a un spécial après. Après, je vais pas faire une vidéo d'une heure, donc il est relativement simple, donc je vous laisse leur piquer d'oreille. Voilà, moi c'est un morceau que j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi. Et puis il y a plein de choses à faire sur ce morceau-là, comme tous les morceaux faussement simples, parce qu'un morceau n'est jamais simple. Et voilà, amusez-vous bien, au prochain numéro.